Bras zéro, pique-nique improvisé, des irréductibles ont bravé le froid cette nuit pour occuper rond-point et accès aux autoroutes, comme ici à Castelnau d'Estrettefonds. Même motivation du côté de Castres ou d'Albi. Il faut que ça cesse, quoi, parce qu'on ne peut plus vivre avec ce qu'on a, quoi. Parce que j'ai que 600 euros de salaire, que j'arrive plus à vivre, que j'arrive plus à bouffer, que je peux pas faire bouffer mes enfants, qu'aujourd'hui j'ai plus rien à perdre. Avec le gasoil, le carburant, c'est trop cher. J'ai 50 km à faire par jour et c'est pas possible, quoi, tout simplement. Travailler, ça coûte plus cher que de rester à la maison, donc quand on voit qu'il y a plein de gens qui restent chez eux, ils gagnent limite plus d'argent que nous, donc au bout d'un moment, il faut qu'on pense à nous. Les gilets jaunes sont affectés par les nouvelles, la mort d'une surveillante en Savoie, les nombreux blessés. Alors chacun veille à ce que le filtrage se passe en douceur, mais la colère gronde. On nous augmente les impôts, on nous fait des promesses qu'on ne tient pas, on nous augmente l'essence, on va maintenant nous augmenter les prix des péages, on va encore baisser les retraites de nos vieux. Donc arrive un moment, tout ça, il faut que ça cesse. Là maintenant, on nous dit qu'il faut recycler nos voitures, d'un seul coup, il faut se débarrasser de nos chaudières, mais on va faire quoi? Il va falloir qu'on vende un rein pour pouvoir vivre en France. À Gaillac ce matin, les manifestants reprennent le filtrage sur l'un des principaux accès à la ville. C'est une humiliation, c'est qu'on nous prenne pour des cons. On nous dit vous ne respectez pas les lois de la République en bloquant. Ok, mais le gouvernement, lui, est-ce qu'il respecte les lois de la République quand il ne collecte pas l'impôt? 100 milliards de fraude fiscale, 100 milliards de fraude fiscale cette année, d'accord? Une colère à l'unisson et un seul mot d'ordre, tenir.